chance aujourd'hui. On se retrouve pour la présentation d'un livre oracle que m'a envoyé Chloé Bonfil pour pouvoir le partager avec vous. Donc Chloé, hein, de la chaîne Licorne Indico, que j'aime beaucoup, qui vient de créer un tout nouveau livre oracle. Elle avait déjà créé celui-ci, l'oracle des familiers que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps, hein, avec des petits monstres tout mignons. Elle a déjà fait son chouette petit marcheur de papier que j'aime beaucoup également. Et maintenant, elle nous revient avec celui-ci, ma fabrique de confiserie divinatoire, un livre oracle aux prédictions sucrées. Honnêtement, il donne faim presque. Et je ne sais pas où elle va trouver toutes ces idées, mais je trouve l'idée super originale de faire un livre du coup sur des trucs à manger, des petites douceurs, etc. Donc déjà, la couverture est super jolie. Moi, j'aime beaucoup. J'adore la couleur qu'elle a choisie, l'étiquette. Enfin, je trouve vraiment très, très chouette. Donc, la tranche est comme ceci. Et on va lire. J'adore la clé ici. Je trouve très jolie aussi. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Je vais essayer de le mettre de façon peut-être plus comme ça, que la lumière ne vous ennuie pas. Donc, quel serait le regard d'un millefeuille sur vos questions existentielles ? Que vous conseillerait un éclair au chocolat concernant vos angoisses nocturnes? 51 gourmandises et 5 ustensiles de cuisine attendent patiemment dans les pages de ce livre que vous leur confiez vos questions du moment. Ils vous répondront sous la forme de petites comptines et de conseils concrets. Vous trouverez également 112 présages pour vos lectures divinatoires. Voilà. Donc, il est disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien directement dans la barre de description, si jamais vous avez envie de craquer. J'ai gardé le petit mot qu'elle m'avait mis, hein. Je suis sentimentale, moi, pour tout ça. J'aime bien garder les petits mots, etc. Donc ici, voilà, auteur et illustratrice, Chloé. Première édition, impression juillet 2022, tout droit réservé, évidemment. Ici, elle a mis une petite phrase, j'aime beaucoup. « La vie est trop courte, commencée par le dessert » de Barbara Streisand. Alors ici, on a un petit à propos de Chloé, hein, avec son site internet, ses différents réseaux sociaux et ce qu'elle a déjà fait, hein, comme un roman jeunesse, les cahiers spiritualité, moi je les adore, mon cahier de tirage et alors les deux jeux que je viens de vous montrer. Alors, elle nous dit « Bienvenue dans la fabrique de confiserie divinatoire ». Cet oracle vous offre la possibilité de consulter la sagesse des bonbons et de vos desserts préférés. Écoutez le message intemporel de la bûche de Noël, l'audace des millefeuilles et la sagesse des barbes à papa. Pour cela, rien de plus simple, les gourmandises n'aiment pas qu'on se complique la vie. C'est vrai. Formulez votre question en posant le livre oracle sur votre cœur. Munissez-vous d'un marque-page ou d'un bout de papier. Un emballage de bonbons pourrait tout à fait faire l'affaire. Et tranchez dans le livre. Vous rencontrerez alors un gâteau, un bonbon ou un ustensile de cuisine qui répondra à votre question sous la forme d'un court poème. Voilà. Donc, elle nous explique, hein, vous constaterez que les pâtisseries répondent plutôt sous forme de guidance, c'est-à-dire qu'elles vous proposent des pistes, des conseils, des attitudes à adopter pour surmonter les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Alors, elle explique ici, quand vous ouvrirez le livre, oracle, rendez-vous en bas de la page, de la double page, et découvrez le présage qui correspond à votre choix. Et pas de triche si vous avez choisi un bonbon et que le présage ne vous plaît pas. Ne vous arrangez pas en choisissant finalement sort. Jouez le jeu. Ouais, ça c'est vrai. J'aime bien parce qu'elle met de l'humour dans ses livres. En plus, elle me fait sourire et ça c'est chouette. Interpréter un présage, voilà, ici vous explique comment faire. Elle a mis des mots en gras aussi, comme ici, plutôt ressentir les tirages. Alors, j'ai passé dans quel cas utiliser les présages? Vous pouvez consulter le livre oracle pour avoir un présage afin de connaître la tendance de la journée, de la semaine ou du mois ou de l'année à venir, c'est un peu comme la carte du jour, etc. Mais ils seront aussi très utiles pour faire un choix. Si par exemple vous hésitez entre deux villes pour déménager, concentrez-vous sur la première ville, choisissez entre bonbons et sorts, ouvrez le livre et découvrez l'avenir associé à ce choix. Alors, faire des tirages.
Exemple de tirage avec deux ouvertures de livre au rack. Par exemple, la première fois que vous allez ouvrir le livre, un peu comme la bibliomancie, à une page au hasard, vous aurez l'énergie qui est en excès. Et la seconde fois que vous ouvrirez à une page au choix, au hasard, vous aurez le livre des Tyrène, énergie qui manque. Voilà. Un exemple de tirage avec trois ouvertures. La première, le problème. La seconde, l'origine. Et la troisième, la solution, par exemple. Tissez un tirage. Vous pouvez aussi entamer un dialogue avec le monde sucré et le laisser vous guider vers de nouvelles pistes à explorer. Pour cela, concentrez-vous sur ce que votre interlocuteur sucré vous apprend et voyez si cela fait naître une nouvelle question en vous. Si c'est le cas, partez sur cette nouvelle interrogation et ouvrez une nouvelle fois le livre oracle jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez fait le tour du sujet et vous avez en plus des exemples. Ça, c'est très chouette pour plusieurs exemples d'ailleurs. Voilà. Et du coup, entrez dans l'oracle et on va regarder ça ensemble. Donc, on a le cupcake, la sucette. Et moi, j'ai vraiment très envie de les colorier. Je crois que je vais le faire d'ailleurs. Les petits bonbons aux couleurs que j'ai envie, comme la sucette. Moi, je la vois bien rouge et blanche. Je crois que je vais me laisser tenter par l'idée de les colorier. La pièce montée. Le verre doseur. Ah, moi, j'appelle ça un pichet, figurez-vous. Je ne sais pas si on dit ça chez vous en France. Les bonbons d'Halloween, j'adore. Les berlingots. Et en plus, j'adore le bonbon où sort. Ici, vous avez comment dire, le petit paragraphe un peu sous forme de... Comme un petit poème, une petite comptine. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Les petits conseils ici, les petites pistes à réfléchir. Et alors, vous avez à chaque fois un bonbon ou un sort. Un peu comme Halloween, hein, trick or treat. Le pain chaud. J'ai l'odeur dans le nez quand je vois le pain chaud. La tarte myrtille. La formule petit déjeuner avec un bon café. La canne à sucre. Moi, j'ai bien envie de le colorier. La barbe à papa. Ça, j'aime bien aussi. Le bracelet de bonbons. Ça me rappelle des souvenirs. Hein, les fameux bracelets, les fameux colliers à manger. Les emporte-pièces, ça me rappelle qu'on a fait des biscuits avec mes enfants, avec des formes justement, des emporte-pièces, il n'y a pas longtemps. Le rouleau de réglisse, un truc que j'ai en horreur et que j'ai un de mes fils et ma maman adore ça. Moi, j'ai horreur de ça. Le chamallow, ça me rappelle avec mon plus petit quand on en a fait il n'y a pas longtemps un barbecue. La pastille à la menthe, moi j'adore les bonbons à la menthe, comme ça vous saurez tout. La meringue, ça aussi j'adore la meringue. C'est trop bon. Le donut, ça mes enfants adorent les donuts. Ils aiment bien tout, hein, les roses, les bruns, ceux avec les petites choses de couleur. Et moi c'est un truc que je ne sais pas manger, je trouve ça trop sucré. Le tiramisu, ça j'adore aussi. Cornet de glace, c'est un livre qui me donne faim moi. Les crêpes, le millefeuille, la madeleine, j'adore les madeleines. La galette des rois, bizarrement, j'aime pas trop, moi. J'aime bien trouver la fève, mais j'aime pas trop le gâteau même. Le rouleau à pâtisserie, la bûche de Noël, grand classique de Noël, la religieuse, la charlotte avec des boudoirs, le flan, ça aussi mes enfants adorent, avec du caramel, le moule à gâteau, la forêt noire, c'est trop bon aussi ça. Le chewing-gum, les chics, comme on dit en Belgique. Ça, je sais qu'on ne dit pas en France, les chics. Parce qu'un jour, j'ai mis une publication sur mon Instagram où j'ai parlé de chics et il y en a qui ne voyaient pas trop de quoi je parlais. Voilà. La pomme d'amour. Ça me fait tout de suite penser à la fête foraine. La papillote de Noël. Les gaufres. Ah, j'adore les gaufres. J'adore les faire et les manger. Le chocolat. Alors là... C'est un de mes grands péchés mignons. Je serais mangé des tablettes et des tablettes. Le macaron. Le caramel. Fleur de sel. Oh, ça, c'est trop bon aussi. La pochette surprise. Les dragées. J'aime bien les dragées avec le chocolat. Les cookies. Le biscuit pur beurre. Les petits beurres. Vous savez où on met du beurre et on les colle l'un sur l'autre. Le 4 quarts. Ouais, moi, j'appelle ça un cake. L'éclair au chocolat, ça moi j'adore aussi.
le cannelé. On en tirera une après. Le bavarois. La tartelette aux fruits. La tarte tatin. Les pancakes. On voit ici le sirop d'érable dessus. Les mignardises. Le biscuit de la chance avec un petit mot dedans. Le crumble, ça c'est trop bon aussi. Le pain perdu, ah ça j'adore aussi. Le banana split, bon, ça j'adore aussi. Bon, je suis une grande gourmande, une grande sucrée, hein, donc voilà. Les cigarettes russes. Le présentoir à gâteau, ouais, la belle cloche en verre. Et puis vous avez des petites pages de notes si vous voulez noter des choses, c'est toujours chouette. Je vais mettre à plat 2 secondes, ce sera plus simple. Voilà des notes et après, il n'y a plus rien à part que c'est sur Amazon. Voilà, voilà. Donc, il y a combien de pages du coup? Plus de 120 pages, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 125 pages plus les petites pages de notes, ma foi. Donc, eh bien, on va ouvrir au hasard sur... on va voir sur quel dessert sucré on va tomber et on va dire que ben, ce sera une petite guidance, un petit conseil intemporel pour ceux qui écoutent la vidéo et ceux qui l'écouteraient même plus tard. Voilà, donc je vais l'ouvrir au hasard. Voilà, et on tombe sur le flan. Et ça nous dit, je tremble et laisse le caramel glisser sur moi. Je ne suis pas de ceux qui imposent leur loi. Je suis lisse et j'aime être facile à manger. Pour moi, la force réside dans l'art de se donner. Du coup, les petites pistes de réflexion qu'elle nous donne. Il est temps de lâcher prise. Le pouvoir de la vulnérabilité, le sentiment de ne pas être à la hauteur, tendance à trop prendre les choses sur soi, se sentir flappy, manque de tonus. Ouais, c'est vrai, quand on voit un flan, vous savez, quand on bouge comme ça l'assiette, le flan, il va comme ça dans tous les sens. Un peu comme font les enfants, et ben ça vous dit peut-être qu'il est temps, hein, de lâcher prise, de laisser place à votre vulnérabilité, peut-être aussi de travailler sur le sentiment que vous avez peut-être de ne pas être à la hauteur, peut-être un manque de confiance en vous, du coup, à peut-être trop prendre les choses à cœur aussi, peut-être lâcher prise là-dessus. Et bah oui, se sentir flappy comme le flan tout mou, hein, et vous manquez peut-être un peu de tonus. Et du coup, si, le côté bonbon, 3 fois tu seras nié et 3 fois il te sera donné l'occasion de t'aimer. Voilà, donc peut-être que si par 3 fois il se passe quelque chose, bah par 3 fois vous aurez l'occasion de vous aimer, hein. Entre guillemets, s'il vous arrive 3 fois des choses qui vous font perdre confiance en vous, ben, ça vous donnera 3 fois plus l'occasion de vous aimer, vous, et ben, de passer outre ce que les autres pensent de vous. Et le sort, les rayons de la lune perceront à travers le rideau des songes pour éclairer la perfidie et les mensonges. Ben, j'ai envie de dire ici, ça veut vraiment dire les rayons de la lune... vont percer à jour tous les mensonges, peut-être les personnes fausses qui sont près de vous, tout ce qui n'est pas honnête, etc. Et ça vous indique du coup que vous allez percer à jour les mensonges et les situations où on n'est peut-être pas correct avec vous. Voilà pour cette petite guidance du coup. Accompagné du coucou, s'il vous plaît. Moi, je le trouve très chouette aussi. Et franchement, Chloé, bravo, parce que tu as toujours, je te l'ai déjà dit, mais des idées débordantes. Fallait y penser de faire un livre oracle, enfin divination, avec des gâteaux, des douceurs, des desserts, etc. Ça, j'ai jamais vu avant. Franchement, c'est super original. Et le livre, il a une belle couverture cartonnée. Et je trouve ça super original, voilà. Et en plus, il y a des petites réflexions à se tomber 2 fois sous le flanc par hasard. Donc là, c'est qu'il y a vraiment un truc à travailler. Et moi, j'ai bien envie de les colorier, les petites images. Voilà. Ben du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous trouvez ça très original. Si ça vous a donné autant faim que moi. J'en ai l'eau à la bouche, moi.
Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez les autres jeux de ma belle Chloé, Licorne Indigo aussi, je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube aussi dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne et le lien pour le livre sur Amazon. Comme ça, si jamais vous voulez craquer aussi, tout sera dans la barre de description. Et je fais encore plein de gros bisous à Chloé. Je te dis encore un grand merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ton beau livre. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous à tous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!